La COVID-19 et la guerre russo-ukrainienne ont fortement désorganisé le système économique mondial. 4 ans après le déclenchement de la maladie à coronavirus, les affaires peinent à redécoller. Partout dans le monde, la croissance reste timide. En Afrique subsaharienne, les effets de l'inflation font toujours gripper la machine économique. Dans ce nouveau numéro de Cet Écho, nous essayerons de décrypter l'économie post-Covid de la sous-région et surtout expliquer la performance de certains pays comme la Côte d'Ivoire malgré le contexte encore délétère. Mesdames et messieurs, bienvenue. Notre invité, Dr Gomez Agou, il est ivoirien, économiste senior au Fonds monétaire international. Bonjour, monsieur. Bonjour. En tout cas, merci d'avoir accepté notre C'est invitation. moi qui vous remercie. Docteur, vous êtes PhD d'économie de l'université Sorbonne Panthéon et diplômé d'un master en sciences politiques, économie, développement, leadership et management public de l'université d'Harvard. Vous avez 17 ans d'expérience dans le diagnostic et la résolution des problématiques de développement économique. Aujourd'hui, vous représentez le Fonds monétaire international au Gabon, c'est ça? C'est correct. En tout cas, nous avons la bonne personne pour avoir des bonnes réponses. Donc, la première question, 4 ans après la COVID-19 et 2 ans après la guerre russe entre la Russie et l'Ukraine, deux crises qui ont fortement perturbé les économies du monde et celles subsahariennes. Aujourd'hui, peut-on dire que l'économie de notre sous-région va bien ou pas? D'abord, merci de m'avoir invité. Effectivement, l'Afrique subsaharienne a traversé, comme de nombreux pays, des périodes très difficiles depuis 2020, avec la pandémie, ensuite avec les pressions inflationnistes, donc la hausse des prix généralisée, et puis ensuite avec la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, il semble avoir une embellie en termes de croissance. Les économies, petit à petit, commencent à sortir de cette situation difficile pour la première fois. La bonne nouvelle, c'est que l'Afrique connaîtra un niveau de croissance plus élevé en 2024 qu'elle en a connu en 2023. Ce serait la première fois que l'année suivante, on a une croissance plus élevée que l'année précédente. Mais ces deux chocs ou crises que vous avez mentionnées ont laissé des conséquences très importantes pour l'Afrique subsaharienne. La première, c'est que vous avez environ 30 millions de gens qui se sont retrouvés dans l'extrême pauvreté à cause de ces deux crises. Vous avez une dette importante de certains pays qui aujourd'hui font face à de nombreux défis en matière de surendettement. Et puis, vous avez un autre facteur qui s'est ajouté à toute cette situation, qui est le fait que les financements se sont raréfiés. Et donc, les pays africains sont en train de travailler graduellement pour sortir de cette situation. Donc, on peut dire on n'est pas encore sorti. Ce n'est pas ce que nous avions avant les crises que nous avons maintenant, c'est ce que cela veut dire. Nous avons l'éclaircie, mais il Oui. y a encore des risques importants. D'accord. Et il faut que les gouvernements africains continuent de rester attentifs et prêts à réagir lorsque ces risques-là auront tendance à se matérialiser. D'accord. En 2024, votre institution, le Fonds monétaire international, annonce 4% de croissance pour l'Afrique subsaharienne, contre 3,3% en 2023. Cependant, vous dépeignez une autre situation, c'est que certains pays vont connaître une stabilité pendant que d'autres continueront à subir les effets de l'inflation et les effets de toute cette crise, ces crises que nous avons connues. Comment vous expliquez cette double vitesse dans l'économie de notre sous-région? Cette double vitesse, je pourrais l'expliquer à trois facteurs D'accord. principalement. Le premier, c'est qu'il y a certaines économies qui sont plus diversifiées que d'autres. Donc, par exemple, les économies qui ont beaucoup de ressources naturelles sont moins diversifiées. Et celles qui ont moins de ressources naturelles ont plusieurs secteurs économiques. Diversifiées, ça veut dire simplement que vous avez plusieurs secteurs économiques. Et donc, lorsqu'il y a un choc qui frappe l'économie, comme vous avez plusieurs secteurs, tous les secteurs ne sont pas affectés en même temps. Ça permet donc de continuer de porter l'économie. Donc, le premier élément qui permet à d'autres de s'en sortir mieux, c'est le fait que ces économies-là sont un peu plus diversifiées que celles qui n'ont que soit le pétrole ou les mines comme matière principale. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous avez des économies qui avaient une situation budgétaire ou de dette qui était raisonnable. Ils n'étaient pas proches du surendettement, par exemple. Ces économies-là, bien que leur bilan ou leur situation financière se soit aggravée, elles ne sont pas arrivées à des extrêmes. Alors que celles qui étaient déjà financièrement plus fragiles se sont, au cours des deux crises, retrouvées dans des situations très délicates et donc ont du mal à sortir des difficultés financières. Ça, c'est la deuxième raison.
Et puis la troisième raison, qui je pense est importante, c'est le fait qu'il y a des économies où des gouvernements ont pris des décisions très difficiles de réforme pendant ces crises. Et il y en a d'autres qui ont eu beaucoup plus, moins d'entrain, je dirais, à prendre, à faire les réformes difficiles. Et les gouvernements qui ont fait des réformes plus difficiles pendant la période, les périodes de crise, aujourd'hui, l'on commence suffisamment de levier pour commencer à s'élever au-dessus des conséquences de la crise. Mais comment on se peut expliquer que, bon, ou c'est un peu, c'est une absence de bonne politique pour qu'un gouvernement ne puisse pas prendre des bonnes dispositions après avoir connu de telles crises? Comment est-ce qu'on peut arriver à ne pas prendre certaines dispositions pour relancer l'économie? Il y a plusieurs raisons. Et il y a par exemple des raisons techniques, mais souvent il y a des raisons aussi politiques. Faut se rappeler que les prises des mesures publiques concernent la vie des gens. Et lorsque l'homme est au cœur, il est plus complexe de prendre des décisions lorsque cela concerne une très grande population. Donc la complexité des réformes souvent est liée au fait qu'il faut pouvoir prendre en compte la sensibilité sociale et politique de l'environnement où les pays opèrent. Donc, d'un pays à un autre, la situation diffère. Et cela, en partie, peut expliquer pourquoi est-ce que certains pays ont tendance à aller plus vite en matière de réformes, et là où d'autres ont du mal à pouvoir mettre en œuvre les réformes importantes. Depuis les deux crises, Covid et la guerre Russie-Ukraine, les pays, en général dans le monde, et les pays africains ont du mal à emprunter de l'argent sur le marché international. Mais fin janvier, la Côte d'Ivoire, dans ce contexte difficile, a réussi à lever 2,4 milliards d'euros sur les marchés internationaux. Dans la même période, le Bénin aussi a réussi à lever 750 millions de dollars. Qu'est-ce qui fait la particularité de ces deux pays, ou particulièrement la Côte d'Ivoire? Ou bien c'est la performance de ces deux pays qui ont permis d'avoir ce résultat aujourd'hui? Alors déjà, ce que je peux dire, c'est que je ne ferai pas de commentaire particulier sur la Côte d'Ivoire, puisque vous avez une voix autorisée, qui est représentante résidente du FMI en Côte d'Ivoire, qui peut se prononcer. Je peux me prononcer sur l'état général de la région d'Afrique subsaharienne. Mais pour revenir à votre question, je dirais déjà que il faut bien comprendre pourquoi est-ce que le marché des eurobonds s'est fermé. Le marché s'est fermé à la suite de la crise Covid, avec beaucoup d'incertitudes sur les marchés. La plupart des pays se sont vus le marché des eurobonds, la capacité à pouvoir lever des financements à l'extérieur, se sont amenuisés. Ensuite, à cela est venu s'aggraver un autre facteur, c'est celui de la hausse des taux d'intérêt dans les grandes économies, États-Unis, Europe, à cause de l'inflation. Lorsqu'il y a eu une hausse de l'inflation, après le démarrage de la guerre en Ukraine, il y a eu donc l'inflation, les grandes économies ont dû lever les taux d'intérêt, et à partir de là, il est devenu trop cher d'emprunter. Depuis quelques mois, l'on constate que l'inflation dans ces grandes économies a commencé soit à baisser ou à se tasser. À partir de là, le relèvement du taux d'intérêt soit s'est arrêté, et certains pensent que même va commencer graduellement à diminuer. À partir de là, on espère que l'argent va devenir relativement pas moins cher, mais va pas continuer de se renchérir. Cela a donc rassuré un tout petit peu les investisseurs, donc ceux qui prêtent de l'argent. Et les pays qui ont une situation macroéconomique relativement stable ou raisonnable, ceux-là ont pu aller sur le marché et ont commencé à lever un certain nombre de financements que tout à l'heure vous avez mentionné. Et on espère que la réussite des premiers pays va permettre de continuer à permettre à d'autres pays africains de pouvoir lever aussi des financements afin de pouvoir prendre en charge les questions de développement et les besoins de développement qui se posent aux populations. Monsieur Agou, je voudrais qu'on fasse une petite brèche pour comprendre un peu la levée de fonds sur le marché international. La Côte d'Ivoire émet ce qu'on appelle les obligations. Comment est-ce que, à partir de là, des gens viennent prendre ces obligations pour donner à la Côte d'Ivoire de l'argent? Comment ça se passe, le mécanisme? Le mécanisme est relativement simple, c'est-à-dire que c'est comme vous et moi. Lorsque vous avez besoin de l'argent, vous partez dans une banque. Alors, pour pouvoir déterminer l'argent dont vous avez besoin, vous regardez les revenus que vous gagnez, donc votre salaire, et puis les dépenses. À partir de là, il y a une différence. Si vos revenus sont moins importants que vos dépenses, vous avez besoin de prendre un prêt. Les pays font la même chose. Ils regardent les impôts, les douanes qu'ils gagnent avec les dépenses. Généralement, les dépenses ont tendance à dépasser les revenus. La différence, ça doit être emprunté. Généralement, les pays vont d'abord s'appuyer sur les marchés domestiques. C'est-à-dire, dans le cas de la Côte d'Ivoire du Bénin, ça sera sur l'UEMOA. Dans le cas, par exemple, du Gabon, ça sera sur le marché de la CEMAC. Donc, ils vont aller prendre de l'argent auprès des banques. Généralement, le pays va donc lancer ce qu'on appelle des bons. Et vous souscrivez, vous achetez un bon. Et dans ce bon-là, il y a un engagement
où le pays dit, je vais vous rembourser sur une période de 6 ans, par exemple, et chaque trimestre, je vais vous payer des intérêts. C'est la même chose qui se passe à l'international. Donc, lorsque le pays sait exactement de combien il a besoin, après avoir fait la différence entre ses dépenses et ses revenus, il va prendre une partie sur le marché domestique, et puis le reste, il va aller se financer sur le marché international en émettant des bons que des investisseurs vont acheter, et en retour, le pays s'engage de pouvoir rembourser ces prêts-là à bonne date avec des intérêts. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le pire est derrière nous, après la crise de Covid et puis la guerre, que finalement les pays se sont accommodés? Est-ce qu'on peut dire que le pire est derrière nous par rapport à l'économie de la sous-région? On voudrait bien le dire, mais je pense qu'il nous faut rester prudents, et c'est le message du FMI. Nous voyons clairement l'éclaircie. Comme j'ai dit, pour la première fois, on a une croissance en 2024 qui est plus élevée que celle de 2023. C'est une très bonne chose. Mais il y a des risques importants qui continuent de demeurer. L'inflation n'est pas totalement redescendue. Si l'inflation continue de monter, on risque d'avoir un retournement des politiques monétaires dans les grandes économies. Vous avez ensuite la question de la dette où les pays doivent faire des réformes profondes pour pouvoir améliorer la situation financière. Et puis ensuite, il faut garder en tête qu'il y a de grands défis qui vont continuer de s'opposer à l'Afrique subsaharienne, au monde, mais à l'Afrique subsaharienne en particulier. Je vais mentionner deux défis. Le premier, c'est le changement climatique. Donc, le changement du climat va continuer d'affecter les économies africaines. Donc, il y aura un travail là à construire sa résilience face à cela et à s'adapter. Et le deuxième défi, c'est la démographie africaine. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, nous sommes 1,2 milliard d'habitants. Dans 25 ans, nous serons 2,4 milliards d'habitants. Et dans 75 ans, nous serons 4,8 milliards d'habitants. Nous serons la région la plus peuplée du monde. Il faut trouver du travail à ces gens. Il faut pouvoir les soigner, les éduquer et s'assurer qu'ils deviennent une véritable force de développement pour nos pays. Donc ce sont de grands défis qui vont se poser dans l'avenir à l'Afrique subsaharienne. Donc nos gouvernements doivent continuer à y travailler. Docteur Agou, nous allons à la dernière question. La Chine. La Chine, dans ces 20 dernières années, était l'un des premiers prêteurs à l'Afrique, notamment l'Afrique subsaharienne. Mais aujourd'hui, la crise immobilière dans le pays fait que toute l'économie chinoise souffre. C'est compliqué. Si cet état de fait continue, ça perdure 4 ans, 5 ans, est-ce qu'il y a une crainte réelle sur l'économie subsaharienne? Vous me donnez là l'occasion de donner un message important que le FMI, depuis environ un an, passe à l'ensemble des pays du monde, mais surtout à l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne. Le temps où l'argent était moins cher et il était facile de trouver des prêts, ce temps semble être passé. Il est important que les économies commencent à travailler sur les capacités à lever l'impôt, les douanes, afin de pouvoir prendre soin de leur population. Pour revenir à votre question, non seulement vous avez la Chine qui est dans une phase de ralentissement économique, donc qui va prêter de moins en moins, mais les autres bailleurs, les autres pays qui avaient l'habitude de prêter, ce qu'on appelait l'aide officielle au développement, ces pays-là aujourd'hui prêtent de moins en moins parce que ces pays eux-mêmes ont aussi leurs difficultés qui leur sont propres. À cela, l'argent est devenu très cher. On en parlait tout à l'heure sur les marchés internationaux. Donc, lorsque vous avez la Chine qui prête moins, les autres bailleurs, les autres pays qui vont prêter moins, vous avez l'argent que vous voulez emprunter sur les marchés internationaux qui vont continuer de coûter cher pour une très longue période, il est important de commencer à compter sur soi-même. Compter sur soi-même, s'élever suffisamment d'impôts, élargir le nombre de personnes qui payent des impôts, s'assurer que vous levez aussi les droits de douane, faire attention à la taille des dépenses et à la qualité de ces dépenses afin de pouvoir s'assurer qu'on peut, de façon raisonnable, continuer d'assurer les fonctions régaliennes de l'État sur une très longue période. Merci beaucoup, docteur Gomez Agou. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, notre émission est terminée. Nous étions avec l'économiste Gomez Agou, c'est l'économiste senior au Fonds monétaire international, représentant de l'institution au Gabon. Merci en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.